monde. C'est rare que je prenne dès le matin. Avant, je faisais tout le temps ça, mais là, non. Bref, pas le temps, c'est compliqué. Il y a des gens autour qui crient. Donc, là, je suis au calme, tranquille à la douche. Je peux ouvrir le vlog. Je suis en train de prendre un petit cappuccino dans une mini tasse. Mon cappuccino saveur chocolat. Au 7, hier soir, j'ai pris ceci. Et ma foi, c'est tout fluffy, c'est tout mou et c'est bon. Voilà. Aujourd'hui, au programme. Alors, déjà, non. Comment je me suis réveillée? J'ai mal à la gorge. Je me sens genre, je sais pas si ça s'entend, mais genre, vous savez, quand vous êtes enrhumé, encombré, ça vous prend la gorge en fait. C'est en fait tout ce qu'il y a là, ce qui descend et ça vous fait mal quoi. Enfin voilà, c'est en gros c'est ça. C'est pas très sympa mais c'est ça. Là je bois un peu de chaud et tout ça. Je vais éviter de boire les. Vous savez qu'on nous donne l'eau avec les glaçons là. Bon, en même temps c'est pas évident. J'ai bien dormi dans ce bon lit, un vrai bon lit. Les oreillers c'est toujours des oreillers paille. Enfin un côté normal, un côté paille. J'ai pas dormi dans le côté paille, c'est bon. J'ai compris la leçon. Pour ceux qui ont suivi les autres vlogs, vous savez. Et aujourd'hui, attendez, j'ai envie de vous montrer ma météo. Vous avez aujourd'hui de la pluie, vous avez mardi de la pluie, mercredi de la pluie, jeudi de la pluie, puis après ça commence genre à aller un petit peu mieux, mais voilà. Bon. On est arrivé à Rajuku et il n'y a plus Tamagotchi. Il n'est plus là mon magasin. En fait, ils ont détruit plein plein de bâtiments, même à Shibuya. Ouais, il n'y avait pas ça avant. Je suis dégoûtée. Avant, il y avait la boutique Tamagotchi. Tamagotchi, ils l'ont supprimé. Ils ont supprimé. Enfin, il y avait aussi là-bas, il y a plein de travaux. Il y avait plein de bâtiments, ils ont enlevé. À Shibuya, aussi, en face du Vape aussi. Et voilà quoi. Il y avait les magasins en plus où j'aimais bien aller, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on est dans la Keshita Street. Takeshita Street, pardon. Et là, il n'y a pas trop de monde, donc c'est cool. Il fait humide, il fait lourd, il fait pas froid. Il n'y a pas trop de vent là. Mais on sent que l'humidité arrive, on sent que. On sent que la pluie va arriver. J'ai pris du coup mon parapluie. Alors, on est devant une machine. On va goûter Coca-Cola pêche. Il est mini. Petit. On y va? Ça secoue, hein? Montre d'abord. Bon, bon, on a goûté le coca pêche qui était très bon, on dirait du, vous savez, du granité ou du Mr Freeze fondu, et on a goûté le Fanta au raisin, exactement comme les bonbons là vous achetez sur Pandisan sur ou que j'ai dans les My Box et tout, et exactement le même goût de raisin de bonbon. Il est très très bon. Après, il faut aimer le goût de raisin. Par exemple, Steve n'a pas du tout aimé.
les amis, donc là on essaye en fait d'aller au Monster Café parce que je l'ai vu partout et ça a l'air vraiment super cool, mais j'ai l'impression que c'est assez dur d'y aller, il faut réserver, il y a beaucoup de monde. En tout cas, là on y va, c'est à Rajuku, on va essayer de manger là-bas, là, maintenant. On est à 5 minutes à pied, donc c'est parti, je vous tiens au courant si on peut rentrer ou pas. Alors, vous avez en fait différents univers et nous on a choisi Mushroom. Il y a celui-ci, il y a le bar expérience et il y a le truc avec le thé, des gâteaux et tout. Nous on va aller là.
Alors, je suis actuellement dans les toilettes. Je voulais absolument visiter les toilettes. Du coup, là, il me reste que 2 minutes pour filmer parce qu'après, j'ai plus de batterie, plus de mémoire. Regardez ça. Il y a plein de balles. C'est trop mignon. On dirait des petits bonbons. Il y a un grand lustre ici. Et vous avez les portes des toilettes de différentes couleurs. C'est trop cool. Donc, dans quelle couleur je vais aller? Tam, tam, tam. Ouh, ça fait... Oh, j'aime bien les violets. Hey, on est sorti du Monster Café. C'était trop bien. Il y avait même la petite anime là, quand il danse, l'animation, quand il danse et tout. C'était trop cool. On a pu faire des photos. Je poste ça sur Instagram. Il a plu. Il a plu, hein. Mais c'était trop cool. Donc, si vous venez à Tokyo, faites-le. Parce que c'est vraiment super cool. C'est trop bien. C'est trop bien. Et ce que j'ai mangé, c'était vraiment bon. Et ce qu'ils ont pris aussi, c'était bon. Les jus étaient bons. Donc, c'était un café à thème, mais pas juste genre, c'est des plats trop chers. Enfin, et le goût n'y est pas. Si là, c'était vraiment bon. Je ne sais plus comment on a payé. C'est pas moi, j'ai pas payé. Enfin, j'étais pas là. J'étais faire un tour aux toilettes. Mais c'est vraiment super bon. Les pâtes que j'ai prises sont vraiment bonnes. Par contre, c'est avec du jambon. Sinon, moi, j'ai pas de corps. Prenez pas le jambon, le plat de pâtes multicolore, mais c'était vraiment super cool. Je recommande à 100%. J'ai passé un moment de folie. Ok, donc là, je suis toujours à Harajuku et je viens dans la boutique sur Disney. Bon, c'est parti, j'adore cette boutique. Regardez là, il y a la pantoufle de verre. Trop beau. Welcome princess. Voilà, c'est parti, c'est trop beau, c'est trop trop beau. Thank you.
on s'est posé ici pour manger des takoyaki. Alors du coup, on était déjà venu une fois, c'est la première année je pense qu'on est venu. Donc là, pour les takoyaki, on a pris des classiques, on en a pris 8. Et il y a du vent, peut-être t'as pris un petit poisson. Ouais. Qui est je ne sais quoi. Je sais pas c'est quoi là. Des chauds. Oh. Bon, je vous retrouve, il est 8h. J'ai arrêté de filmer durant la journée puisque il a plu. Il a plu beaucoup. Donc j'avais bien caché mon appareil pour pas l'abîmer. Et on devait aller voir Étienne aujourd'hui pour manger ensemble. Mais il pleut trop quoi. Donc on va vraiment trouver là du coup quelque chose à manger à côté de la maison. On va vraiment manger quelque chose genre en bas de la maison. Ce qui s'est passé aussi durant la journée, vous l'avez peut-être pas vu, mais je tombe malade. Du coup, j'ai mal à la gorge depuis ce matin et j'ai pris un Doliprane parce que je sens que la fièvre arrive. Donc je me suis pas sentie trop bien toute la journée. Je me sentais faible et tout. J'avais qu'une envie d'avoir un Doliprane. On est rentré. J'ai pris un Doliprane, j'ai pris une pastille pour la gorge, comme sur la gym, mais j'ai toujours cette sensation désagréable. Et voilà, donc juste avant de me coucher, vraiment, je vais me reprendre un Doli. Et voilà, on verra demain. Franchement, il pleut dingue, demain il pleut dingue, après demain il pleut de dingue. Il pleut, on n'a vraiment pas de chance, c'est horrible. On a mauvais temps, malade, béquille. Alors ce soir on mange Mos Burger parce que c'est à côté de la maison. On attend notre commande, c'est flou. Là, une commande va arriver, on a le numéro 15, il nous l'apporte directement. Donc après un coca, un milkshake à la vanille et moi je me suis pris un thé au citron pour ma gorge. J'ai pris une soupe de maïs et un burger, en fait il n'y a pas de pain, c'est du riz à la place. Je vais vous montrer dès que ça arrive. Alors j'ai pris ça. Pris le ketchup, hein. Du coup vous voyez, c'est des galettes de riz. Hop. Au lieu d'avoir du pain, j'ai ça. Et toi c'est ça. Tu me feras... Non, c'est piquant. Ah bah non. Je touche pas avec la gorge. Avec la gorge, je ne touche pas. Donc, je vais goûter ça. Bon, on est rentré à l'hôtel. Il est... je ne sais pas. Mais en tout cas, on va aller prendre nos douches, on va se coucher. Et je vous retrouve demain. Alors demain, pluie toute la journée. Ah ouais, j'avoue. Pluie toute la journée, donc on ne sait pas encore à quelle heure on sort, qu'est-ce qu'on fait. On ne sait pas. On va sûrement aller à Nakano, mais on verra bien. Voilà. En tout cas, je vous dis à demain. Bye bye.